celle du directeur et du personnel, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux. Une bonne et heureuse année. Une année pleine d'abord de santé, hein, de réussite dans les études. Vous avez bien compris ce que j'ai dit? Une année pleine de santé. Vous avez un peu de parce que quoi amul wër do mëna la mëna jang donc na yeen yépp ngeen and ak wër une bonne santé pour pouvoir maintenant avoir une bonne réussite inshallah. Allez donc comme d'habitude nous allons passer à la levée de couleur. J'espère que, avec la cérémonie de distribution de prix, ça a permis à d'autres de bien réfléchir. Vous avez vu vos camarades qui ont été primés, qui ont reçu des prix, et les autres, je pense que cette fois-ci, nous allons passer à la deuxième composition, au mois de... À quel mois? Mois de mars. Très bien. Donc, il faut faire tout ce que vous pouviez, hein, renforcer vos efforts, pour faire comme vos camarades qui ont été les premiers, deuxième et troisième. Est-ce que vous avez bien compris? Oui. Parce que le deuxième trimestre sera beaucoup plus difficile que le premier. Ah oui, premier bi, c'était des révisions. Ay révisions la won rek. Mais en ce moment maintenant, ci la affaire yi commencé nak. Hein? Les leçons seront encore, pour le, surtout le CM2, CM1, seront plus longues. Les difficultés mathématiques seront plus accrues encore. Donc, mon ami, dès aujourd'hui, il faut commencer maintenant à redoubler d'efforts, à suivre davantage, à apprendre les leçons et surtout à faire les exercices à la maison. Surtout ça. Vous, votre problème, les élèves de l'unité 10, c'est de respecter les exercices, de les faire correctement. Là, moi, c'est le problème. Il faut faire les exercices. Chaque exercice qu'on vous donne, il faut le faire avant de venir à l'école. Un élève ne peut pas venir à l'école sans faire ses exercices. Comment il va suivre? Hein? Les exercices permettent de mieux comprendre la leçon. Donc, quand il a fait la leçon, il a fait les exercices, des fois, il a fait 0. Donc c'est ça le message que je voulais vous transmettre pour que vous sachiez que le deuxième trimestre, il va passer vite, janvier, février, rapidement mars ñeu. Féké da ngay tok di nelaw nak, ay jek jek ñu la composition dans une semaine. Ah. Donc il faut le commencer dès aujourd'hui. Bonjour chers élèves. Bon, comme l'a si bien dit monsieur Sow, il y avait un président qui disait, il faut travailler, qui va continuer. Hein? J'ai pas entendu, oui? Toujours travailler, encore travailler, et beaucoup travailler, c'est ça. Ça doit être une chanson dans votre tête. Parce que les élèves qui étaient primés la fois dernière, ils ne sont pas beaucoup plus intelligents que vous. Non. Ils ne sont pas beaucoup plus intelligents que vous. Eux, ils ont cru à leur travail. C'est pourquoi ils ont été nominés. Donc la balle est dans votre camp. Il faut apprendre les leçons le jour au jour le jour.
Chaque jour, apprenez. Faites des exercices. Ndax te kula ne sangul sa tar le sa tar le sa tar la lan kula ne sangul sa tar le beug. C'est ça. Maintenant, il faut travailler parce que vos enseignants qui sont là, ils vous donnent le maximum. Maintenant, le reste, c'est à vous de le compléter. C'est bon.